discipline est unique en son genre pour cette qualité de vie, pour cette facilité, cette proximité à la mer, ces parcs qui sont partout. Il y a même un parc près de Broadway Junction qui est immense, qui est plus grand que Central Park. Qui est près de Cypress Hill en fait, où d'ailleurs Houdini est enterré, paraît-il. Et on a une très très belle vue aussi sur Manhattan, de même que sur Jamaica Bay et l'est de Brooklyn. Moi, ça a été vraiment l'expérience, la découverte de Red Hook. On n'y va pas facilement, il n'y a pas vraiment, le métro ne va pas jusque-là. Red Hook, donc, qui est le quartier un peu maritime, c'était l'ancien port de New York, qui est l'un des plus importants des États-Unis. Il y a encore vraiment cette atmosphère marine. Il reste quelques dockers, mais les autres sont partis vers le New Jersey. Donc il y a une atmosphère un peu particulière qu'on ne retrouve pas dans d'autres quartiers. Puis il y a aussi Key Lime Pie qui crée ces qu'on avait mis dans le guide précédent, mais qui avait trouvé cette recette de tarte citronnée qui, en fait, le citron aidait les marins à lutter contre le scorbut, où on peut trouver ces couvre-poubelles avec les encres à l'intérieur. Et puis, il y a des marins, on a encore cette impression de clandestinité, en fait, dans cet endroit. C'est une petite enclave, c'est un petit bras de terre comme ça qui rentre dans l'East River, qu'on retrouve un peu de manière complètement différente à Greenpoint, où le métro ne va pas, ou presque pas, et qui est vraiment à l'extrémité de Brooklyn avant d'arriver à Long Island. C'est des endroits assez paisibles, où on vient s'y balader, s'y reposer. Les gens qui y vivent sont vraiment très relax. C'est une vie vraiment agréable. Ce qui donne envie de revenir à Brooklyn, pour moi, c'est ce sentiment de liberté et de pouvoir être, je le répète souvent, qui l'on veut, comme on veut, de pouvoir s'exprimer, que ce soit dans sa manière de s'habiller ou dans sa manière de vivre, sans avoir une pression sociale que je pouvais vraiment ressentir en France. Il n'y a pas d'obligation dans quoi que ce soit. Et chacun est respecté pour ses changements de vie ou pas, d'avoir des enfants ou pas, par exemple. Voilà, donc ça, c'est assez remarquable.